a fortement bouleversé et traumatisé non seulement Bastia, mais la Corse entière. De nombreux jeunes étaient venus des milieux ruraux assister à cette rencontre. Le Sporting a beaucoup, beaucoup de supporters dans les villages corses. Alors, un exemple de ce drame vécu à Canary, où il y a eu près de 40 blessés. Canary est un village du Cap Corse. Canary. Reportage Max Villirello, Jean-Jacques Philippe. Canary, sur la mer. Dans ce village, tout s'est arrêté mardi dernier au crépuscule. Seul, pour marquer le temps, le clocher, comme une sentinelle, veille sur ceux qui ne peuvent oublier. Dans tous les propos, les souvenirs reviennent comme autant de mauvais rêves. Il n'y a pas eu de mort ici, mais on ne peut s'empêcher de penser aux autres. Tant que nous vivrons, ils seront toujours là. Ces petits-là, on va les voir, ces petits, qui sont morts là-dedans, dans ces tas de ferraille-là. Ici, comme partout en Corse, le football est une sorte de religion dont les enfants sont les serviteurs. Et puis, il y a eu Fouriane. On allait sur le stade, j'en ai vu deux par terre. Alors on a commencé à s'inquiéter. En plus, moi, je trouvais plus mon frère. Il était en dessous, quoi. La vie économique s'est arrêtée. Les jeunes blessés travaillaient au village. Le boucher, transféré à Nice, rentre bientôt. Il va rentrer en fin de semaine et on pourra décider quelque chose. La boucherie est fermée. Ah ouais, pour le moment, ouais. Et vous voulez pas... Ouais, je courais, mais seul, c'est dur. Même le bureau de tabac a tiré ses rideaux. Des rideaux descendus sur des présentoirs vides. Seule consolation, dans les bars. Les gens se sont retrouvés. La douleur tisse aussi des liens. J'ai l'impression que les gens se sont resserrés quand même. Ouais, c'est vrai. Avant, je dis pas que les gens pouvaient se voir, rien, mais on a une impression de... C'est pour la solidarité. Parce que d'habitude, les vieux, ils sont toujours en train de tailler les jeunes, hein, en définitive. Ils sont toujours en train de dire qu'on n'est pas capable, on est un peu foufou, et puis là... J'ai vraiment ressenti qu'ils nous aimaient bien, quoi. Par moments, on se posait des questions, parce qu'ils ne nous faisaient pas confiance, et puis là, on a senti qu'ils nous aimaient bien. Désormais, peu à peu, au fur et à mesure du retour des blessés, il faudra réapprendre à vivre et tâcher d'enfouir en soi les visions d'un soir maudit. Oui, docteur, émouvant reportage, on a l'impression...